Yop les gens, c'est Lolo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une petite vidéo d'achat-revente. Ça faisait longtemps, j'avais envie de vous proposer aujourd'hui une vidéo d'achat-revente pour vous montrer les diverses techniques que j'ai fait. Je vous ai présenté la première technique qui était la technique Fit Millionnaire. Là, je vais vous présenter une nouvelle technique que j'utilise. Tout simplement avec mon nombre de crédits, bon, assez élevé, j'ai la pile à 100. Si je vends tout, je vais être à 700 000, je pense. Donc voilà, enfin bref. Aujourd'hui, je vais vous présenter une tech donc de A à Z, donc comme j'avais fait pour la tech avion. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tech avion plus, les gars. Donc cette technique ne vient pas de moi. Beaucoup de gens connaissent cette technique, mais moi, je vous montre juste ce que je fais en achat-revente, voilà, tout simplement. Et pourquoi pas vous faire des comptes rendus chaque semaine ou chaque 2 semaines, comme vous voulez, de tout simplement mon avancée en achat-revente. Parce qu'en fait, les gars, j'aimerais bien m'acheter quelqu'un, hein. Donc en fait, il y en a deux que j'aimerais bien acheter. J'aimerais bien acheter celui-ci, le petit Carlito Tevez Inform, pour mettre dans mon équipe. Donc j'aimerais vraiment bien, mais bon, il coûte plutôt cher. Enfin, il coûte pas vraiment plutôt cher. Il coûte dans les alentours de 300 000 crédits. Donc voilà, tout simplement, environ 300 000 crédits. Et puis j'aimerais bien acheter celui-ci pour mettre dans ma Ligue 1. Mais celui-là, il est vraiment beaucoup plus cher. Donc voilà, j'aimerais bien m'acheter le petit Zlatan 93, mais il a 1 million de crédits, donc pourquoi pas vous faire des comptes rendus chaque semaine de ce que je fais, donc ce que je vends, de mes ventes, etc., etc. Je pense que ça peut être vraiment sympathique, donc pour vous faire entre guillemets pas vraiment un road tout Zlatan et Carlito Tevez if. Mais voilà, moi je me dis que ça peut vraiment être cool, donc il me faudrait environ 1 500 000 crédits. Donc pourquoi pas vous faire des comptes rendus toutes les semaines de ce que je vends, de ce que je fais en achat-revente, pour tout simplement pouvoir les acheter. Donc aujourd'hui, on va commencer avec de la Tech Avion Plus. Donc je vais racheter 2 joueurs. J'ai déjà acheté des joueurs qui s'étaient vendus en 2 relances. Dans 3 relances, j'ai vendu 8 ou 9 joueurs, plus un boost. Mais le boost, voilà, c'était de la tech avion normale, donc je vais pas en parler. Tout simplement, donc je vais vous expliquer donc de A à Z, comme je vous ai dit, comment j'ai acheté mes joueurs. Donc là, vous allez voir de l'achat des joueurs au choix du style, tout simplement jusqu'à la mise sur Fut Trading Manager. Je m'excuse, donc la mise aussi sur FTM. Parce que voilà, peut-être pas tout le monde le sait, mais moi j'utilise Fut Trading Manager. Pour simplement mettre mes cartes en vente, pour avoir un aperçu des bénéfices que je fais. Donc voilà, tout simplement. Donc on va regarder s'il y a une carte avec 99 de forme, avec un style adéquat. Donc ça sert à rien de lui mettre un style de dingue. Normalement c'est Rock, mais je vois que Rock il a pas 99 de forme. On va peut-être monter de 100 crédits. Voilà, parfait. Voilà, sinon j'aurais pris celui à 1400, j'aurais dû rajouter quand même 200 au prix d'achat pour une carte forme, donc je peux monter 200 crédits très facilement. Donc voilà, un petit Kedira. Donc pour ce qui est des joueurs, pour la liste des joueurs, j'ai une photo avec des joueurs, donc pourquoi pas vous la mettre si je trouve comment on fait, parce que je sais pas du tout. Donc voilà, et deuxième joueur qu'on va acheter, c'est Monsieur Caceres. Mais tout simplement, hein, franchement, pour être vraiment simple, les gars, si vous voulez des joueurs, vous regardez des joueurs avec des très bonnes stats, genre un Martin Caceres à 83 de vitesse ou 81. Donc vous pouvez être sûr que voilà, lui ça marche. De toute manière, voilà, les joueurs que je vends, bah ils marchent. Sinon, je les vendrai pas. Mais après, voilà, il faut pas abuser sur les bénéfices. Faut pas commencer à mettre des 3 000 à 4 000 de bénéfices, hein, clairement, sur une carte à 1 000. Voilà, donc ici, donc 91 de forme, on va monter de 100 crédits. Voilà, parfait. Vous voyez que tu montes de 100 crédits, en fait, tu trouves souvent des cartes avec 99 de forme. Donc c'est vachement plus cool. Donc voilà. Donc une fois que vous avez acheté vos joueurs, ce que vous allez faire, c'est tout simplement la mise de contrat. Qu'est-ce que je veux dire par la mise de contrat? Tout d'abord, il vous faut ça. Donc les entraîneurs, hein, bien sûr. Il vous faut des entraîneurs pour avoir la négociation à 50%. Donc il vous faut des entraîneurs rares, des entraîneurs non rares et des entraîneurs argent rare si vous voulez, pour avoir tout simplement la négociation. Donc la négociation c'est quoi? C'est genre vous appliquez un contrat à 28, ben, vous aurez plus 50% de négociation, je vais vous montrer. Et tout simplement ben, vous aurez en réalité 42 contrats ajoutés au lieu de 28. Donc c'est bien. Même en dehors du jeu, pour les matchs, etc., hein, clairement, c'est vachement cool. Ça peut servir parce que vous allez payer un contrat le prix de deux, en fait, hein, tout simplement. Donc
niveau-là, quoi. C'est vraiment tranquille. Donc essayez toujours de privilégier des joueurs avec des cartes style, parce que voilà, les joueurs avec les cartes style, ça part évidemment beaucoup mieux, parce que voilà, c'est plus attirant. Une carte avec plus de 40 contrats, plus une carte style, c'est vraiment attrayant. C'est vraiment quelque chose que les gens, bah, ils veulent, tout simplement. Hein. Donc voilà, vous allez voir que là, je vais placer tous mes joueurs sur ma liste des transferts, les amis. Et on va tout simplement se retrouver sur l'ordinateur, sur Foot Trading Manager, pour vous expliquer la mise en vente des joueurs. On se retrouve tout de suite sur FTM, à tout de suite. Bon les amis, nous sommes donc de retour sur le site FTM Foot Trading Manager pour tout simplement vous montrer le quoi, du comment, etc. Donc on va également ouvrir l'application web pour être vachement plus simple. Donc voilà, vous allez voir là que j'ai déjà beaucoup de joueurs qui sont en vente en cette simplement en cette technique. Donc voilà, hein, c'est vraiment très facile comme tech. Donc on attend que l'appli web s'ouvre pour tout simplement, ben, comme je l'ai dit, être plus simple niveau des prix, etc. Donc bon les amis, nous sommes donc de retour sur l'appli web, donc avec les joueurs donc que nous allons tout simplement relister. Donc je vais vous montrer tout simplement, donc là Khedira a acheté 1500. Donc nous allons dans la barre de recherche de FTM. Donc nous allons tout simplement faire Sami Khedira. Donc je vais vous en faire que deux, le reste je ferai tout simplement hors caméra, parce que voilà, je pense que vous allez comprendre avec deux joueurs comment l'on doit faire. Donc voilà. Donc là on voit Sami Khedira, on va faire achat du joueur. Donc je l'ai acheté 1500 crédits, mais j'ai appliqué un contrat qui m'a coûté 350 crédits. Donc c'est pas grave, on va mettre 1900. Donc voilà le prix du contrat. Après on va mettre le nombre de contrats qu'il a, je pense qu'il doit tourner dans les alentours de 50 contrats. On va le remettre en avion plus. Mais là voilà, vous allez voir qu'il va montrer 2000 de bénéfices. Et nous on cherche le 1500 de bénéfices. Donc ce qu'on va faire, c'est on va descendre à 3600. Donc 3600, voilà. Donc après, vous allez voir ici, vous le prenez en rock. Et là, vous allez faire lister. Et donc, il montre 3600 crédits. Donc là, on va tout simplement aller sur l'application. Nous allons faire 3500, 3600. Et voilà, tout simplement, on va lister cet élément. Donc il y aura 1500 crédits de bénéfice. Donc j'en fais un petit dernier. Donc Marc-André Ter Stegen. Donc voilà. Donc je vais prendre Marc-André Ter Stegen. Allez, allez mon petit, allez mon petit. Donc voilà, donc je l'ai acheté 1100 crédits. Encore une fois, j'ai appliqué un contrat. Pardon, je l'ai acheté 8100 crédits. J'applique un contrat donc à 350. Donc on peut faire ça. Il tourne dans les alentours des 50 contrats plus ou moins. Et là, on va faire tout simplement 3200 en avion plus. Donc 3200 en avion plus. On l'a eu en mur, si je ne me trompe pas. Mur et en avion plus, on va faire lister. Donc voilà, là, FTN nous dit de le lister à 3200. Prix d'achat immédiat. Donc voilà, c'était l'explicatif de ma technique d'avion plus. Donc dites-moi si vous êtes d'accord pour faire cette série. Tout simplement le road, entre guillemets, tout évasif et Zlatanif. Enfin, kiff, kiff, kiff. Enfin, Zlatan 93, simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça me fait plaisir de vous la faire. Donc laissez un maximum de likes, partagez et commentez surtout. Ça me ferait vraiment super plaisir. Donc voilà les gars, c'était Lolo. J'espère que vous avez passé encore une très bonne et agréable journée. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde.